Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Jeudi 3 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Nous démarrons par le bulletin d'information. Ils sont finalement venus déposer la liste de déclaration de candidature de leur parti à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Au nombre de 8 partis politiques, ils ont attendu le dernier jour et les dernières heures de ce mercredi 2 novembre 2022. Pour déposer la liste de leur parti. Suivez le film de la soirée dans ce élément. First Cori pour un Bénin émergent est le premier parti politique à avoir franchi la porte de la Sénat ce mercredi 2 novembre 2022, dernier jour de réception des déclarations de candidature. À 12h30, c'est le secrétaire exécutif du parti, Paul Rompet, qui a lui-même conduit la délégation. Après le dépôt des dossiers, il est délivré au responsable du parti un récépissé provisoire. Interrogé par la presse, Paul Rompet a laissé entendre que le parti a déposé des dossiers incomplets puisque tous les candidats n'ont pu avoir leur quitus fiscal. Aux environs de 20h, quelques responsables du parti Union Progressiste Le Renouveau font leur entrée à la Sénat. Ils sont reçus par le président de l'institution et remplissent les formalités de dépôt. À la suite du parti présidé par Joseph Diogbenou, c'est le Bloc Républicain qui est venu déposer la liste de ses candidats aux législatives de janvier 2023. La délégation a été conduite par le secrétaire général national du parti, le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchané. Moël Bénin de Jacques Ayadji est venu en quatrième position, suivi de Nouvelle Force Nationale, parti politique récemment créé et qui, pour la toute première fois, dépose sa candidature à une élection législative. L'autre parti politique qui vit la même situation est les démocrates. Opposant au régime du président Talon, le parti et ses responsables sont entrés dans les locaux de la Sénat tard dans la nuit, mais avant minuit. Ils seront suivis des partis Mouvement Populaire de Libération MPL et de l'UDBN. Il faut signaler que tous les partis politiques n'ont pas déposé des dossiers complets. La loi leur donne quelques jours pour compléter. Les pièces manquantes. Hors de nos frontières, le partenariat entre le Togo et l'Union européenne, UE, se renforce avec la conclusion de deux nouvelles conventions de financement. D'un montant global de 55 millions d'euros, cet accord de financement a été signé à Lomé vendredi 28 octobre 2022 par Sandra Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, et Joachim Tasso Villalonga, chef de la délégation de l'Union européenne. La première, d'un montant de 30 millions d'euros sous forme de dons, est consacrée à la mise en œuvre du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et l'agroécologie. La seconde convention de financement, d'un montant de 25 millions d'euros, dont 10 millions au titre de dons et 15 millions d'euros sous forme de prêts concessionnels, porte sur le programme de renforcement des services publics locaux. Nous faisons à présent un tour en Côte d'Ivoire où le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu successivement hier, mercredi 2 novembre 2022, au palais de la présidence de la République avec ses homologues éthiopiennes Sarliwok Zioudé et ghanéen Nana Akufo-Addo. L'entretien avec la présidente de l'Éthiopie a été l'occasion d'évoquer les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie, ainsi que les défis liés à la paix, à la sécurité, à l'investissement sur le continent africain. Les échanges avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo ont permis, quant à eux, de passer en revue les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, ainsi que les questions régionales et internationales. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le bulletin d'information. On se retrouve tout juste après cette pause.
Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chers amis internautes, nous laissons à présent place à Massa Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Directeur déchargé pour insuffisance de résultats des boucs émissaires. 19 directeurs et directrices d'écoles primaires publiques ont été déchargés de leurs responsabilités. Le motif ? Leurs écoles ont obtenu 0% de succès à l'examen du certificat d'études primaires CEP de cette année 2022. L'information fait grand bruit et le chou gras des réseaux sociaux depuis quelques jours. La liste de ces directeurs d'école est également relayée abondamment dans les médias. Quels crimes ont commis ces directeurs ou directrices d'école pour mériter pareil traitement? S'ils sont fautifs, c'est que tout le système de contrôle mis en place tout le long de l'année, depuis les circonscriptions scolaires jusqu'au ministère, n'ont pas fonctionné comme cela se doit. Des contrôles ont en effet eu lieu au cours de l'année. Des examens blancs ont été également organisés. Quels ont été tout le long de l'année le niveau affiché par ces écoliers? Cela paraît trop facile de jeter toute la responsabilité de ces échecs sur les pauvres directeurs et directrices en les livrant à la vindicte populaire. Ils ont certes une part de responsabilité car ils ont eu la charge et la responsabilité d'encadrer ces apprenants tout au long de l'année scolaire. Mais leur responsabilité est-elle de transformer des tarés en griffes en des surdoués? Est-ce eux qui ont composé à la place des apprenants? Quid de la responsabilité également des parents de ces écoliers? Qui, pour les limoger ou les décharger de leur responsabilité de parents? La sanction infligée à ces directeurs et directrices apparaît juste comme une manière de déplacer le réel problème, comme une manière de sauter des fusibles. À cette allure, certains directeurs et directrices d'école, pour éviter ces genres de sanctions, peuvent désormais refuser de présenter des écoliers aux examens sous différents prétextes. Des écoliers peuvent également se retrouver sans école à cause de leur niveau. Avoir 0% d'admis dans une classe lors d'un examen est certes dramatique, mais ce n'est pas la fin du monde. Les responsabilités doivent enfin être situées sur toute la chaîne et on ne doit pas seulement chercher des boucs émissaires à sanctionner pour se donner juste bonne conscience. Merci à vous, Massa Gaspard Adjamossi. Mesdames et messieurs, nous recevons à présent pour vous Charles Alban Daoui dans le forum de discussion de ce jeudi 3 novembre 2022. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifa Kawé. La Sénat a finalement reçu les déclarations de candidature de 8 partis politiques. Exact. Dans la soirée de ce mercredi 2 novembre, ils sont finalement venus déposer leur dossier de candidature. Il s'agit dans l'ordre, bel et bien, de FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, UP, le Renouveau, le Bloc Républicain, Moël Bénin, Nouvelle Force Nationale, les Démocrates, MPL et ensuite le parti UDBN. Charles Alban Daoui, y a-t-il eu des absents? Oui, naturellement, il y a eu des absents au dépôt des candidatures. Nous avons comme parti Grande Solidarité Républicaine et le parti Force Corée pour le développement du Bénin, FCDB, du professeur Soumanou Toléba. Ces deux partis sont absents au rendez-vous cette fois-ci. GSR, qui est Grande Solidarité Républicaine, un parti qui a été récemment créé, avait pourtant dit en mai 2022 que le boycott des élections législatives de 2023 n'était pas à l'ordre du jour chez eux. On ne comprend pas pourquoi est-ce que, eh bien, ils ne sont pas allés déposer leur candidature hier. On ne sait pas si ce sont des difficultés liées, eh bien, aux délivrances de quitus fiscaux qui justifient cela. On aura le temps de fouiller, de comprendre concrètement ce qui s'est passé, parce que nous avons vu quand même le président de ce parti là, aux côtés des démocrates, il y a seulement quelques jours, dénonçant le fait qu'il y aurait une volonté de ne pas leur délivrer les quitus fiscaux pour que leur candidat puisse être positionné sur les différentes listes. En dehors de ce parti, il y a FCDB, comme je disais tout à l'heure, du professeur Soumanou Téléba, qui est absent totalement au rendez-vous. On avait vu venir cela, on avait dit ici que ce parti-là semble ne plus exister, semble ne plus vraiment animer ou bien vouloir animer la vie politique au Bénin.
parce que aucune déclaration du parti ne vient à l'esprit en ce qui concerne les législatives qui sont en train de venir de 2023. Et donc, c'est comme si ce parti a fait le choix de ne pas participer, contrairement à 2019, où au moins le parti a fait l'effort d'aller déposer les dossiers et compter sur la liste des présélectionnés. C'est bien après que leur candidature a été invalidée et ils n'ont pas pu participer à cette élection-là. Et la conséquence va être tirée dans les jours à venir, sans doute, sur le plan juridique. C'est sûr que le parti finira par disparaître, parce que là, le parti est en train de comptabiliser deux élections législatives successives sans participation. Voilà. Chalala Bandaoui, la Sénat a cette reçu les déclarations de candidature de 8 partis politiques, mais l'on apprend qu'il manque certaines pièces au dossier déposé. Oui, effectivement, le parti Force Corrie pour un Bénin émergent, qui est le premier parti à avoir déposé sa liste hier, a dit que dans ces dossiers, il y a des pièces qui manquent, notamment le quitus fiscal en ce qui concerne certains candidats, qu'ils espèrent que dans les jours à venir, ils vont pouvoir prendre cette pièce-là pour venir compléter le dossier. Parce que oui, la loi leur donne cette possibilité-là de déposer dans le délai qui a été donné là et ensuite de compléter, quitte à avoir le récépissé définitif qui les met vraiment en compétition pour ces élections-là. Nous avons entendu FCBE le dire. Par la suite, c'est l'Union progressiste Le Renouveau qui a servi également la même chose. Cela a sans doute surpris beaucoup de gens, parce que quand il y avait la polémique sur la délivrance ou la non-délivrance de quitus fiscal, on n'a pas entendu les partis de la mouvance parler. Apparemment, ils ont fait l'option de ne rien dire à l'époque, et ils ont choisi le jour du dépôt pour dire également que les autres ne sont pas les seuls en difficulté, que eux aussi, ils rencontrent des difficultés en ce qui concerne la délivrance du quitus fiscal. On ne sait si c'est vrai ou c'est juste une stratégie pour montrer que non, mais écoutez, vous n'êtes pas les seuls à avoir des problèmes. Vous ne pouvez pas mettre devant le fait que vous êtes un parti de l'opposition pour justifier que voilà, vous n'avez pas eu votre quitus fiscal ou bien que vous avez eu des difficultés. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Ils ne sont pas les seuls, les partis, notamment de l'opposition, les démocrates et aussi les autres partis qui estiment que voilà, ils ont des difficultés. Donc, on attend dans les jours à venir pour voir de ces 8 partis politiques-là qui ont déposé, quels sont les partis qui vont recevoir véritablement leur récépissé définitif. Et c'est avec ces partis-là que les élections législatives du 8 janvier 2023 vont être organisées. Merci à vous, Charles Abandaoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Amis fidèles de Guérita TV Monde, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Sans transition, voici votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous ?» Au début, tout allait bien, non? Elle décide de me laisser, Kabi. C'est pas grave. Au début, je vais me plonger un peu dans l'alcool pour 2 jours. Et après, ça va passer. Puis je prends mon bal en passant, je ne commence pas à me battre. Mais quand l'arbre va fleurir, il ne faudrait pas qu'elle revienne. Quand va revenir, il y aura une autre qui va prendre sa place. Clair et net. Mesdames et messieurs, recevez à présent chez vous la vidéo du jour. Chers amis internautes, ainsi prend fin ce numéro. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour d'autres actualités.